Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'élément grand menu. On va commencer à aller voir plus en profondeur tout ce qu'on peut faire, ou du moins comment est-ce qu'on peut configurer ce grand menu. Pour information, pour importer le grand menu sur votre site, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la flèche, vous allez ajouter éléments, donc normalement vous serez ici, et vous cliquez sur grand menu, et vous avez les grands menus, vous les importez. Là, on part de zéro et je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez configurer ça. Actuellement, sur mon grand menu, je n'ai qu'un seul titre. Okay? Donc, par exemple, si j'enregistre ça, je l'enregistre, je le publie, je viens sur ma page. Si je réenregistre de nouveau, recharge de nouveau cette page. Donc, je n'ai qu'un seul bouton actuellement et il n'y a rien sur mon conteneur. Ok, donc là on y va, on va aller travailler dessus. Déjà, on commence par la partie grand groupe de menu, donc en cliquant sur le trait. Ok, le trait bleu qui est derrière, je clique dessus et là je sais que je suis sur la partie grand groupe. En fait, la partie grand, là où c'est marqué grand groupe, c'est ça qui permet d'avoir tous les boutons, c'est ça qui va rassembler tous les boutons. Donc si je clique sur le crayon, j'ai toutes les fonctionnalités liées au grand groupe de menus. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai les réglages généraux. Les réglages généraux, à quoi ça consiste? Si je bouge ça maintenant, c'est ce que ça donne. En fait, ça, c'est les marges intérieures. Ok? Donc, actuellement, c'est sur 5. Nous, on va le laisser sur 5. C'est pas mal. Si vous voulez l'augmenter, si vous l'augmentez, au fait, ce que ça vous permet de faire, c'est d'avoir assez, un peu plus d'espace, hein, pour pouvoir sélectionner cette partie-là de votre grand. De votre grand menu. Donc ça, c'est ce que ça vous permet de faire. Donc, si je mets 7, je mettrai 7 aussi là. Donc ça fait 7, 7 partout, en haut, en bas, à gauche et à droite. Ok, on continue. Au niveau de la largeur maximale de la tablette, je vous conseille de ne pas y toucher et parce que c'est la version, ça concerne que la version tablette. Après, si vous regardez votre version tablette et que c'est vraiment il y a encore des choses à modifier en termes de dimension. Éventuellement, vous pouvez utiliser ce curseur pour le faire. Sinon, par défaut, laissez comme tel. Couleur générale. Maintenant, vous avez remarqué que derrière, il y a c'est une couleur en bleu foncé. Si je veux que ça soit une autre couleur, je peux changer ça ici. D'accord? Donc là, par exemple, là, je veux que ça soit un peu plus blanche. Je peux mettre ça comme ça. D'accord? Je peux changer ma couleur. Je peux également mettre une image si je trouve que c'est intéressant. À vous de voir. C'est votre menu. Si vous êtes dans une configuration où mettre une image serait plutôt quelque chose de cool, vous pouvez le faire. On peut mettre une image derrière. Ok, donc là nous on va supprimer l'image. On continue. On peut mettre une bordure aussi sur notre menu, sur le grand groupe. Donc pour mettre la bordure, c'est ce qu'on avait déjà vu sur d'autres éléments. C'est la même chose, j'augmente. Je mets un là, je change la couleur, je peux choisir la couleur de ma bordure. Si je veux que ce soit du jaune, par exemple, là, je peux mettre du jaune. Et je ramène ça là. Et c'est du jaune que j'ai. Et je vais choisir le type de trait que je veux avoir. Et j'ai ma bordure tout autour. Ok, vous voyez le jaune qui l'entoure. On peut continuer. Je fais clic droit. Je vais aller chercher les informations de mon grand menu. Si je veux arrondir les bords de mon grand menu aussi, je peux le faire. Actuellement, c'est sur 0. Je peux mettre du 10. Ok, par exemple là. Et là, j'ai arrondi les bords de mon grand menu. Si je continue, d'autres informations, d'autres choses que je peux faire sur mon grand menu, je peux mettre de l'ombre. Ok, on va rester sur la couleur noire et je peux mettre de l'ombre. Et là, vous verrez que derrière, il y a un peu simple noir comme ombre. Si je mets du blanc pour que vous voyez mieux. Donc je peux mettre de l'ombre et si j'ai plus envie de mettre de l'ombre, je peux nettoyer, je peux l'enlever. La configuration des balises, on n'en parle pas parce que c'est un peu plus avancé. C'est pour la traçabilité. Si je clique sur avancer, c'est cette fonctionnalité. Ok. Si on regarde la version mobile de ce que je viens de faire, on peut aller regarder à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, j'ai le trait, j'ai l'arrière-plan. Ok. Et si je fais clic droit dessus dans le gris, okay, je peux aller jouer dessus, voir à quoi ça ressemble. Là, la modification que je peux faire, c'est ça. Okay. Par exemple, ceci, je peux le mettre sur 5.
Celui-ci aussi, je peux le mettre sur 5. Celui-là aussi, je peux le mettre sur 5, par exemple, pour que ça fasse quelque chose qui est un peu plus, qui soit un peu plus propre pour moi. Ok. Donc ça, c'est comme ça que je travaille sur la version mobile. Là, on n'a reparlé que de la partie grand groupe de menu. Et là, la prochaine fois, dans la prochaine présentation, on commencera à parler de l'intérieur, du bouton. Si vous voulez créer votre site internet vous-même, sachez que nous avons créé pour vous une plateforme de formation gratuite. Pour cela, je vous invite à aller sur awde.fr, le site de l'agence, et vous scrollez vers le milieu de la page. Une fois que vous y êtes, vous avez un bouton, c'est marqué « Je commence ma formation ». Vous cliquez dessus, vous créez votre compte gratuit, et là, vous aurez les ressources qu'il vous faut. Vous pouvez même télécharger des templates que vous pouvez réutiliser pour créer votre site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vos questions et remarques sont les bienvenues. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, en tapant agence web AWDE. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement pour une prochaine présentation. Bye bye.